Que de chemin parcouru pour Julien et Floriane. Le couple s'est rencontré en 2008. L'éleveur de bovins en Loire-Atlantique faisait partie des agriculteurs de la saison 3 de L'Amour est dans le pré. Depuis, tous deux se sont mariés en juillet 2010, et ont traversé bon nombre d'épreuves. L'un et l'autre ont notamment connu des soucis médicaux ces derniers temps. Ensemble, ils ont également eu deux enfants, dont Lina, aujourd'hui âgée de 9 ans, mais née à 34 semaines, ce qui n'a pas été sans risque pour sa santé. 15 jours après sa naissance, ils ont vu que son taux de bilirubine montait. Ça pouvait intoxiquer son cerveau, donc elle a été en réanimation au CHU de Nantes, a expliqué Floriane à Pure People. Cela était dû à une incompatibilité avec les groupes sanguins de ses parents. Avant qu'une transfusion se fasse, la mère de famille a eu peur de la perdre, voyant sa fille comme une poupée de cire, sans réaction. Par la même occasion, le corps médical a découvert que Lina avait les pieds bottes. Elle a été opérée, on lui a coupé le tendon d'Achille. Et elle a eu 5 ans de port d'attel, a déclaré Floriane auprès de nos confrères. Julien et Floriane sont toujours restés positifs durant cette période, Floriane et Julien ont dû adapter leur quotidien, et surtout se soutenir. Quand on est deux, on est beaucoup plus fort. Je passais tout mon temps en réanimation avec elle et Julien gérait les trois autres enfants, a indiqué la maman, qui avait déjà eu deux enfants lors d'une précédente relation. De son côté, l'agriculteur, qui a eu un AVC récemment, se souvient avoir été angoissé, mais ne voulait pas montrer quand, il, n'était pas bien. Mais on n'est jamais tombé tous les deux mal en même temps. Donc a toujours positivé, a-t-il ajouté lors de l'interview accordée à Pure People. Désormais Lina fatigue un peu plus vite au niveau de ses pieds, selon son père, ce qui ne l'empêche pas pour autant de faire du ski, de la danse ou encore du roller. Crédit photo, capture d'écran à Instagram. Step up.